Nous avons suivi avec attention le discours du président d'Aïchimie quand il parlait des Burundais de la diaspora et des Burundais qui ont fui le Burundi pour se réfugier dans différents pays. Pour lui, il semblait dire que les gens qui ternissent l'image du pays sont ces gens qui alertent la communauté internationale qu'internationale sur les différentes violations des droits de l'homme, les disparitions forcées, les malversations économiques, et j'en passe. Tandis que pour nous, ceux qui ternissent l'image de notre pays sont ces gens qui commettent ces bavures, ce sont ces gens qui pillent le pays, ce sont ces gens qui n'arrêtent, qui ne cessent de tuer le peuple burundais. Ce ne sont pas ces lanceurs d'alerte qui ternissent l'image de notre pays, ce sont ces gens qui sont au Burundi, qui sont souvent dans des services de l'État, qui ternissent l'image de notre pays. Il semblait aussi dire que quand il s'est déplacé dans un pays ou dans un autre, il a rencontré des gens qui, au départ, étaient des réfugiés, mais qui se sont transformés en membres de la diaspora, comme si on ne peut pas être à la fois membre de la diaspora et réfugié. Et il semblait dire que oser aller rencontrer le président d'Aïchimie, c'est un signe qu'on n'a plus peur des violations qui se passent au Burundi, on n'a plus peur des bavures qui se passent au Burundi, alors que ça n'a rien à voir, parce que rencontrer le président d'Aïchimie dans un autre pays, cela ne signifie pas qu'on n'a plus peur des violations des droits de l'homme qui sont devenues monnaie courante dans notre pays, des disparitions forcées et de l'injustice qui est devenue une injustice pour tout le peuple burundais. Nous avons toujours peur, le peuple burundais a toujours peur, c'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas un retour massif de la population burundaise. Nous voulons, les gens souhaitent qu'il y ait des conditions favorables pour le retour massif de tout Burundais qui est à l'étranger, aspire, espère retrouver le bercail d'ici peu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit vous rappeler. Tout le monde le sait, et même le président d'Aïchimie. Et donc, ce n'est pas anormal que des gens qui sont de l'opposition, des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle, rencontrent le président dans un pays ou dans un autre, parce que c'est un bon signe, c'est un geste que ces gens essaient de montrer qu'ils sont prêts à négocier, qu'ils sont prêts à discuter avec tel ou tel autre Burundais, telle ou telle autre autorité, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui prévaut dans notre pays.